Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Plus fort que les loups. Meilleur que les loups d'ailleurs. Enfin, traduit comme on veut. Donc aujourd'hui, on va se méfier quand même un petit peu. Surtout que j'ai entendu un Enderman. Il y en a encore, il y en a ici aussi du... Parce que le problème que je me suis dit après, c'est si... Ah ouais, il est là-bas. Il va tomber en fait. Après, faut que je redescende et puis que j'aille le chercher. Oh, il y en a plein là. En fait, si je l'attaquais par en dessous, avec ce qu'il fallait en terre, ça serait bien quoi. Et hop, c'est pas grave. Ça va être juste. J'aime moyen ça. Ouais, à tous les coups, il va tomber. Oh, puis il y a un creeper en bas. Oh, pas cool. Pas cool, pas cool. Celui-là, je peux aller chercher pas trop difficilement. Hein. Hop. Oh, il neige. C'est joli. Tu vas voir qu'elle va claquer. Ouais, bingo. Il me faudrait un établi. Bon, ben. J'aime moyen ce passage. Et il y a le creeper qui est là. Oh, en plus, oui, donne-moi du bloc. Donne-moi du bloc. Hop. Bon. Eh ben, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bon, bon, bon. Je vous l'avais dit que c'était une mauvaise idée, le passage pourri que j'avais fait, là. Aïe, 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 aïe. Je suis enfin Michel. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir sauter là. Et si. Par contre, au niveau génération. Ah là 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 là. Je suis en train de me demander un truc, c'est si je fais pousser. Si je fais un champ. Là où il y a de la glace, est-ce que ça va pousser? Vache. C'est quoi ça? La pile de gravier. Je vais tout de suite m'en faire deux. Et je vais rechercher. Ouais, j'ai des planches. J'ai de la cobble. Je vais m'améliorer mon pont là-bas. Enfin, ici surtout. Voilà. Puis ici aussi, hein, parce que. Hop. Il n'y avait que deux. Bon. Deux, ça me suffit pour faire une roue. Donc, on va pas. Et du coup, le creeper est plus en dessous. Je vais la chercher. Bah, je vais la chercher, je le fais cuire et on se retrouve.
Et il fait nuit, et ça y est, j'ai mes deux nuggets, mes deux, je sais pas comment on dit. Alors je vais me protéger, hein, au cas où il y a des zombies, puisque les zombies pètent les portes. Et puisque j'ai mes deux nuggets, j'en ai maintenant 18, donc je dois pouvoir faire pack pack de lingots. Je fais ça, hop, et hop, une roue en fer. Je vais pouvoir aller planter mes graines de citrouille. J'en ai encore, ouais, j'en ai encore. Et il faut juste que j'attende que, hop, il fasse jour, et surtout que je me dise où est-ce que je me les pose. Est-ce que ça va pousser sur là où il fait froid, là où il y a de la neige? Ouais, parce que si j'ai, il me faut de l'eau. Si j'ai de l'eau, elle va geler. Ah ouais, il faut que je trouve de l'eau. Bon. Et puis il me faudrait du bois parce que bah, j'en ai plus. J'ai plus qu'une planche de chêne. Oh, c'est dur. Bon, ben on passe la nuit et puis on va aller se mettre en quête d'un terrain favorable pour mon champ de citrouille, histoire de donner à manger à mes petites poules. Elles sont toujours là. Allez, à plus. Il fait jour, les zombies sont en train de mourir, ce qui est une bonne chose. Alors j'ai vérifié sur le wiki de Minecraft Vanilla, les melons dans la neige, les melons et les citrouilles dans la neige, le boucan qu'ils font, il faut oublier. Avec un peu de chance, tout le monde est mort. La viande de zombie, c'est marrant, c'est toujours un peu au même endroit qui meurt. Alors du coup c'est peut-être pareil, c'est peut-être pour ça que ça pousse pas non plus ces machins là. Alors là il y a plein de flottes, mais papa, il y a de la neige. Alors le seul endroit où j'ai de la neige, j'ai mes pumpkins, j'ai mes graines de citrouille. Allez, les seuls endroits où il y a de la neige, je vais passer de l'autre côté, c'est au nord. Le soleil se lève à l'ouest, il se couche à l'est, donc le nord est par là, donc c'est au sud, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, la zone sans neige est pas très loin, elle est là. Il faut juste que je trouve de l'eau. Et si j'en trouve, eh ben, faudra que je pense à envisager le changement de... J'avais pas mis une dalle dans le coin. Le changement de... Oh, encore un arc. Encore un arc. Ça, c'est cool. Mouton... Si je pouvais me retuer quelques bestioles, s'il y en a. Bon, et eh ben on part, on va ellipser jusqu'à ce que je trouve. Là, il y a de l'eau, mais elle est gelée. Oh, pas de chance. Est-ce qu'avec une torche? Ah, la torche enlève la neige. Faudra que je vienne revoir si ça... Hop. Ou un cochon.
Ne te sauve pas, petit cochon. Ouais, 3, 2. Bon, c'est pas mal. Allez, on cherche. C'est quoi ce truc-là? On cherche de l'eau. Là, il y en a, mais c'est gelé. Il y a un cochon. Pas tous les tuer. Ah, il y a de l'eau là. Il y a de l'eau ici aussi. Et ma base est là-bas. Je suis pas très 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 loin. Oh, il y en a même là. Alors, Pâques. Alors, là où? Bon, eh bien, toc. Je vais peut-être pas utiliser les 4, remarque. Hein. Je vais peut-être. Ouais, je vais en mettre que 3. Je me mange une côtelette de porc. Est-ce que je marque l'endroit? Est-ce que j'ai une. Ah. Je vais mettre du gravier. Ah. On peut pas, ouais. Quand on saute et tout ça, on peut pas poser de machin. Bon, la forme est assez caractéristique pour que je la voie quand même de loin, non? Je parte légèrement par là. Bon, ben on reviendra un petit peu plus tard. En attendant, on va se rechercher à nouveau. Je vais me baliser mon chemin avec des petites dallettes. Ah, les herbes, ça me ralentit. Balayer mon chemin. On va se mettre une petite. Hop. Ici, malheureusement. Je sais pas où est le. Ah bah j'ai la faille ici. J'ai mes arbres. Ah bah j'arrive par ici. Ce qui serait bien, c'est que vu que j'ai une porte là, je me fasse une descente. Ou plutôt une remontée. À partir d'ici. Ouf, je vais laisser ça ouvert. C'est pas bien futé ça. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est que je me fasse une. Ah, ou à partir de là-bas. Oh, c'est pareil. Des escaliers, des marches.
Et voilà. C'est par là. Bon, ben, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais miner un petit peu. Ah, j'ai plein de trucs. Je vais aller miner. Je vais faire des échafaudages de bouse le long des. Non, faut que je descende par là. Je vais aller miner. Ah, il me fallait du bois. J'ai plus de quoi faire les outils. Galère. Bon, bah, il faut que je ressorte. Ça. Ta-ta-ta-ta. Oh, des arcs. Est-ce qu'on peut les réparer? Oh non, c'est dommage. Parce que là, des arcs pourris comme ça va pas me servir beaucoup, hein. Je vais faire cuire. M'en faire cuire au moins un. Je suis péquiche. Et puis je pense que le problème surtout, c'est que la nuit, ouais, elle va tomber. Donc pour aller couper des arbres, mauvaise idée. Oh, j'ai même pas le temps d'aller jusque là-bas, je pense. Non, bah on va laisser passer la nuit et puis on ira en couper. Ah, j'ai. Oh. Est-ce que j'ai le temps de le ramener, lui? Petit. Bon, bah, je le ramène chez moi, ça m'en fera 5. Et puis, on passe la nuit et on va se couper des arbres et on se retrouve, ben, après. À bientôt. Oh, viens, mon tu pépère. Ouais. Allez, hop. Et 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tri, gvarguin. Un petit point après une journée de pousse. Où est le soleil? Une demi-journée, hein, parce que je suis revenu à la base, j'ai passé la nuit, je suis revenu, j'ai coupé des arbres. Et bah, y en a quand même un qui a commencé à pousser, mais pas les autres. Oh. Ça va être très très long, hein. Je pressens que ça va être long. Plop, 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 plop. Bon, je vais aller miner. Et puis, je pense qu'on doit pas être. Ah, j'ai loupé le. Ah, si, c'est là. Je vais baliser le chemin. Ça sera plus facile pour le retrouver. On doit pas être loin des 20 minutes. Donc, on va se laisser là pour. Voilà, aujourd'hui. Impeccable. Et. Dans la neige, on avance pas. Hein. On va aller miner ces trucs-là. Je sais pas trop comment je vais y aller en fait parce que c'est assez haut. C'est surtout ceux-là qui sont intéressants. Enfin, je vais me faire un escalier avec de la terre. Et puis je vais aller les miner. Donc ben, on va remanger un coup, hein. J'en ai remis à cuire. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!